de Chambieux-Chavagneux. Voilà donc, les meilleurs se sont tout de suite portés à l'avant de la course. C'est parti donc pour nous en tout cas, 50 minutes de plaisir. Comme un skieur d'orange, Tiberio ensuite avec le maillot rose de Chambieux-Chavagneux. Voilà donc, les meilleurs se sont tout de suite portés à l'avant de la course. C'est parti donc pour nous en tout cas, 50 minutes de plaisir. Allez, c'est bien. Elle est bien. Allez Roro. T'as l'idée de changer de maillot mon fils, qui me fait peur. Ah t'as l'air de toi, pas possible. C'est nouveau aujourd'hui, hein. Oui.
quintet. Hein. Fun. Je reconnais même pas. C'est mieux placé. Il était mieux placé. Allez, bon moment. Même pas eu. Ensuite, Meunier-Carru et l'Ange des Anges.
Guillaume Vantiek, maintenant, avec la position du militaire. Nicolas Dublier, il était 7ème de la... Dixième place pour Quentin Briot. Voilà, c'est le fameux top 10 que nous avions tout à l'heure. 11 et 12. Tiberio, donc le vainqueur des Chirols cette année, peut-être à la conquête de son deuxième succès, donc en avance cette année, puisqu'il avait dû attendre fin novembre l'an passé pour gagner le cyclocross de Montélimar. Voici le maillot rouge des Cavaillon, deuxième position, le voici les planches. Voilà, c'est la ligne à l'instant, donc pour revenir, les deux premières places semblent maintenant véritablement désignées sans précédent. Et on va suivre en cercle de Pélissin. Nicolas Dublier, 9e, 9e place tout à l'heure, nous avions Quentin Brion en 10e position. Où en est-il maintenant? Quentin Brion en 10e et 11e place. Voilà la 12e place, c'est nous pour Philippe Auriac. La 13e pour Vincent Bourin. Voilà, c'était le top 14. Hein. Vous entendez le mettre circuit. Voilà Tiberio qui va chercher du regard son le maillot rouge de Cavaillon, il ne le voit pas encore. Effectivement, il a vraiment pris une avance confortable maintenant. Voilà Tiberio qui vient à l'ouvrir, qui n'apparaît toujours pas. Donc, ce président de Tiberio devrait aller chercher sa deuxième victoire de la saison. Mais pour la place de deux, là il va y avoir beaucoup de suspense. Thibaut Daniel est-il à l'abri? Le retour comme un changement important pour la deuxième place. Donc il est en deuxième. Nouveau deuxième, Rudy Kowalski qui reprend la place de deux. Et donc le maillot rouge de Cavaillon. On a vu donc en difficulté, problème mécanique. Voilà, on a également. On a également dans ce groupe Landry Mésange. Voilà, il s'est Emmanuel Caru, et là ils sont quatre. 4 dans ce groupe, 2 devant 6, alors que le Cavaillonnais vient de passer les planches, il y a eu un souci mécanique, il s'est arrêté apparemment quelques instants, et là, ça va redonner également du suspense pour le public, car il va essayer de revenir sur la 3e place, car le deuxième de Kowalski, ça va être compliqué. Mais sur le groupe de la 3e place, le groupe de cours de CDO de Mésange de Roman, qui est encore possible. Donc là, on a Guillaume Vantiek de Pélissin, qui a peut-être aussi un problème mécanique, car il était vraiment très très bien parti tout à l'heure, longtemps en 3e position, 4e position. Et maintenant, il passe à l'instant. Et au dernier tour, la cloche retentit, elle fait que. Il a tout fait gagner maintenant, son adversaire c'est Rudy Kowalski. Et puis il y a quand même derrière, le final de l'Italie, le Macronis. Le voici donc, loin de Tiberio, le marché de la différente. Aux 4 jours de l'Internet, alors qu'on va trouver. Et après tu montes à l'arrivée là. Voilà, nous avons maintenant pour Pélissin, Guillaume Vantiek. Voilà, qui doit être en 7e ou 8e position, 9e, alors que Gauthier Héros
d'un village extraordinaire, vous avez rejoint votre avion. Il est en train de fondre sur, maintenant, sur Banquette. Alors que Nicolas Louvier a été dépassé par Boutier. De la formation Vulco, Vondelin, Boutier est en train de gagner des places. Ça risque de se faire par contre pour lui, car l'écart maintenant avec le groupe et le procès est au même junior depuis quelques années, comme il y a également de belles structures juniors, sont que toutes les équipes de DN1 et DN2 rassemblent maintenant des courants juniors pour aller sur des courses par étapes. Le point culminant de la saison junior Ronald, avec cette année une arrivée somptueuse au sommet du Grand Colombier quelques jours avant le passage du Tour de France. Il y a là, je crois qu'il y aura cette année 25 équipes juniors. Angers venu de Belgique, des Pays-Bas, d'Espagne, d'Italie. Donc le rendez-vous du mois de juillet pour les juniors du côté de Belay. 4 jours encore cette année et l'an prochain pour le 30e anniversaire. On parle de 6 jours de course. Avec donc un prologue pour le premier jour, le Val-Remet, donc que les juniors espèrent disputer cette épreuve un jour. Voilà, retrouvez Tiberio, dernier passage dans les planches. Son deuxième single cross de la saison, n'hésitez pas à lui dire tout simplement bravo Lyon. Quand il passe le coup de la dernière planche, il aura survolé. Et maintenant de skisme. Route et cyclocross, c'est un coureur de première catégorie sur route au club de Charnoux-Charnieux. Également donc un excellent cyclocrossman. Kowalski, donc le voici, dernière fois dans les planches, applaudissez-le également. 3 saisons chez les pros. Voilà 25 ans et il va retrouver le programmateur avec Charnoux-Charnieux. Et c'est de nouveau le vététiste de Cavaillon qui a doublé tous les groupes et qui file maintenant sur Kowalski. Ah, ça va être un super ce final, ça va être difficile, il reste un demi-tour, mais Kowalski a intérêt à se retourner pour percevoir le maillot rouge de Thibaut Daniel. Car là, ça va être chaud pour la deuxième place. On se bat pour les places du podium, les coureurs de Sénon. Voilà avec Tresser, avec Carazana, Meunier Caru et également Landry Mésange. C'est laissé distancer à l'instant et se retrouve maintenant en 6e, 7e position. Voilà Tiberio dans les derniers mètres maintenant. Voilà, elle commence sans doute à terminer le succès de sa carrière. C'était l'an passé sa première saison de cyclocross. Cette année pour sa femme, messieurs, plusieurs fois. 3e à Saint-Galmier, à Thiers, à Saint-Saturnin-les-Avignon. Nous allons donc saluer avec plus fort encore Yann Tiberio. Voilà, il va venir nous confier sa joie de s'imposer, sa ménage à l'eau, pour rester. Alors, débutant l'an dernier, c'est pas le mot de l'hiver. On va pour lui pour venir franchir également. Conserve la place de deux. Et en 3e position, c'est bien Thibaut Daniel qui, malgré ses problèmes mécaniques, est revenu sur sur la 3e marche du podium. Alors pour les places suivantes, il y a donc ce groupe qu'on a appelé la meute tout à l'heure. Et on retrouve la formation de Sénou. Voilà, Belgique Tresser, 5e l'an dernier, il doit être 4e cette année. Et puis Christophe Cavazzana, 6e l'an passé, je vois donc qu'il est 5e. Voilà avec l'arrivée de Fabrice Meunier-Caru, qui l'an dernier était 3e. Landry Mésange termine maintenant. Coureur de l'US Romane Pagina. Landry Mésange qui prend donc la 7e place. On attend la 8e, peut-être avec Gauthier Hérault, qui avait, qui était passé en 11e position tout à l'heure, et qui est remonté sur Quentin Drieu, sur Nicolas Doublier. Bon sprint, je crois que c'est le tour de Pélissin, 8e, c'est ça, 8e et 9e. Et la 10e place.
Elle est là donc avec Nicolas Doublier, le champion de l'Isère. Il était 7 ans l'année dernière. Elle va être donc en 9e. Voilà, Johan Tiberio, Bonnie Kowalski, si vous voulez descendre un petit peu, je crois qu'on a envie, le public a envie de vous voir, de vous entendre. Donc, vous avez pris une place lointaine, mais se font véritablement plaisir, une place et une place. Et au bout d'un effort de, pour cela de 55 minutes, évidemment que cette place est aussi importante. Jean-Baptiste Vincent vient de terminer avec le numéro 58. Il était deuxième l'année dernière. Il vient de reprendre aujourd'hui la compétition et termine, comme il l'avait dit, il termine un peu comme il a pu, termine l'Est. Ici au niveau de la ligne, voilà, puisque nous allons ensuite prendre le tour. À Saint-Galmy, à Thiers, à Saint-Saturnin les Avignons, nous allons donc saluer avec plus fort encore Yann Tiberio,